Oh yes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Cavane. Nous c'est Joseph et Martin et on aménage un van à partir de zéro. Dans cette vidéo, on te raconte un nouveau jour d'aménagement, plein de surprises et de rebondissements. Je te laisse regarder. C'est un micro. Oui. On peut parler. C'est tout nouveau, c'est beau, c'est joli. On peut faire des petits bruits comme ça. Beau la journée. Le micro nouveau. C'est le micro, on a changé parce que... On s'est rendu compte que les vidéos précédentes, le son était vraiment de mauvaise qualité. Ouais. Du coup, on s'est octroyé un nouveau micro pour vos plus belles oreilles. Mm. Non, pour le plaisir de vos oreilles. Et vos enfants. Ouais. Et vos enfants. Du coup, bah, on va vous parler un peu de la journée. Surtout ouais. Que on est quand même pour là. C'est pas loin. T'as oublié? Ouais, comme d'hab. Ouais, tu sais, après une journée aussi dense comme ça, c'est normal que parfois on oublie ce qu'on a fait. On est tellement fatigué que notre cerveau, il est déjà parti dans le sommeil. Alors, aujourd'hui, pour commencer la journée, on a commencé par ranger des choses qu'on avait laissé traîner depuis le début de l'aménagement. En fait, l'ancien aménagement du van, on l'avait enlevé entièrement. D'ailleurs, tu peux regarder la première vidéo de la chaîne, si ça t'intéresse. Et on avait jeté tout ce qui nous intéressait plus. Dans un espace et on l'avait laissé là. Et du coup la première mission de cette journée c'était de trier tous ces déchets et les emmener à la déchetterie. Bah c'est parce qu'il y a les entreprises qui trient, alors que dans notre pays il n'y a pas. Ah ouais? Ouais, c'est pas les gens qui trient. Ouh, l'attraction là, la grosse histoire. On fait un tour ou quoi? On fait un tour. Et voilà le travail. Et après en fait on a reçu deux bacs d'eau hier. Et en fait on les a reçus chez nous et du coup bah on était trop contents parce qu'en fait on allait les voir et c'était deux gros trucs, on s'attendait pas que ce soit aussi grand. Ouais. Du coup deux gros bacs d'eau, un de 100 litres et un de 70 litres. Du coup un qu'on met en dessous et un qui va être à l'intérieur, qui va être l'eau propre. C'est vraiment des tailles parfaites, on avait réfléchi aux tailles. On avait, enfin de toute façon on n'avait pas tout le choix possible mais on avait trouvé des trucs qui convenaient bien. Et finalement en les posant, en regardant où est-ce qu'on avait posé, ça convenait parfaitement, surtout le bac d'eau sale qui est en dessous. Du coup, super satisfait, super content de l'achat. Moi, j'ai réussi à lancer. Moi, j'ai lancé la vidéo. Putain, la vidéo, elle va trembler, là. Ouais. Bah, c'est 100 litres aussi. C'est 70 litres aussi. Hein. Oh. Voilà. Le bac d'eau noire que je suis en train de déballer, c'est un bac qui est très, très large. Mais pas très profond. Et en fait, c'est le bac qu'on va mettre sous le van pour les eaux sales. Il a une capacité de 70 litres. Unboxing. C'est pas comme les mecs dans la vidéo, ils utilisent des petits cutters et tout pour que ça soit joli. C'est des vrais unboxings. Hyper bien. Oh, il y a deux vidanges. Ouais.
Le bac blanc que Joseph est en train de déballer, c'est le bac d'eau propre, qui a lui une capacité de 100 litres... En fait, aujourd'hui, on a quand même pas mal réfléchi sur les étapes qu'on a à faire et sur tout ce qui nous reste, sur qu'est-ce qu'on doit faire en premier, qu'est-ce qui est le plus important. Du coup, pas mal de planning aussi, on en avait parlé un peu le matin aussi. Et du coup, bah, là, la première étape, c'était on doit finir les portes, finir tout le posage de lambris, tout le bois, enfin tout ce qu'on peut au maximum au niveau du bois et au niveau de la partie haute pour qu'on puisse bien finir l'électricité, tirer tous les câbles. Parce qu'en fait on a besoin de les peindre le bois pour le protéger en fait pour tout ce qui est pour la graisse en fait, c'est ça le pire parce qu'en fait dès qu'on met les doigts gras ou des trucs comme ça sur le bois bah ça se salit et c'est plus, on peut plus jamais laver. Et à part poncer on peut pas l'enlever du coup ça va être la grosse étape. Du coup en fait là on s'est attaqué aux portes, on pensait pas que ça allait être aussi long. Mais en fait on se complique pas mal la vie parce qu'on va faire des petits rangements dans la porte un peu stylé, du coup on a fait ça cet après-midi. Des gens normaux ils poseraient du lambris ou une plaque de contreplaqué sur toute la porte parce que c'est ce qu'on fait normalement tu vois, mais comme nous on aime bien se compliquer la tête et on aime bien faire des trucs originaux et stylés. Et du coup, on a fait des espaces de rangement dans la porte, à la place de l'isolation. En gros, il y a une fenêtre, enfin, vous voyez, et en dessous, il y a un espace de rangement. Et dans la porte droite, il y a deux petits espaces de rangement en dessous. Ouais. On mettra des filets et tout pour ranger, je sais pas, l'arme de poche, des petits outils, des trucs. Ce qu'il faut, quoi. Ouais, ça, tous les trucs pour l'extérieur, ainsi de suite. Avec la scie sauteuse en main, c'est parti, j'attaque l'aménagement de la porte. Ma mission c'était de préparer la porte de derrière avec la fenêtre pour pouvoir poser le lambris. Donc, comme pour les autres fenêtres, j'ai dû faire un petit contour, bien sympathique. Mais pour cette fenêtre-là, c'était un peu plus compliqué. En gros, en haut, la porte est assez fine et en bas, elle devient un peu plus grosse. J'ai donc fait un cadre qui suit l'inclinaison de la porte et qui vient en même temps se fixer et entourer la fenêtre. Tu peux changer la vitesse ? Ah, t'es à vitesse meilleure. Ah, j'ai cru que c'était 1 qui était le meilleur. Ouais, t'as vu, moi aussi. Le 3 c'est le plus rapide. J'ai donc découpé le bois, le poncé
Ensuite, j'ai tout assemblé avec les vis. Pour vous dire la vérité, ces petits trucs en bois, c'est un petit kiff pour moi. Du coup, j'en ai profité pour faire un petit espace rangement juste en dessous. C'était Martin qui m'a dit de le faire et vraiment, ça rend hyper stylé. Et ensuite, avec un marteau et des clous, j'ai fixé le fond du petit espace rangement. Je pense que là, il est pas mal. On teste de le poser. Ça rentre ? Ça rentre pas ? Là, ça rentre pas, ça ? Si, ça rentre. Ah ouais ! Mais c'est parfait ! Waouh ! Et là, espace de rangement. Sympathique, au calme. Pendant que Joseph a fait son superbe cadre pour la porte gauche, moi, j'ai fait des petites boîtes destinées à la porte droite pour y ranger des petites choses comme des chaussettes ou des lampes de poche. Ça rend bien en fait. Nickel. Oh nickel mec. Oh yes. Oh yes. Trop bien. Du coup ça a pris beaucoup de temps, mais le résultat est très satisfaisant. On a fait du bon boulot. C'était marrant les étapes qu'on a eues de conception, c'est qu'avant en fait au fur et à mesure ça a évolué. Bon vous le verrez pas forcément sur la vidéo mais je vous le dis quand même, mais c'est qu'en fait on avait imaginé le truc d'une manière et c'était complètement différent après. Et qu'on va coller autrement, qu'on va fixer autrement et nous ça nous a plu de voir comment en fait dans les projets les choses évoluent, les choses changent. Et voilà. L'idée qu'on a dans la tête, la vision qu'on a dans la tête. En fait, concrètement, ce qu'on peut faire et comment on peut réaliser ça, on se rend compte que c'est vraiment différent, quoi. Mm. Qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on a dans la tête et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent de faire autrement. Ouais. Parce qu'on voit en fait au fur et à mesure. Exactement. Et là, sur la soirée, on a juste commencé de poser le lambris pour pouvoir justement finir les portes. Et là aussi, il faut être très précis et du coup, ça prend un peu de temps, mais on est plutôt content du premier résultat. Ouais. Et on espère que ça va continuer encore la prochaine fois. Mmh. Donc voilà, à demain. Hein. Mmh. À demain. Oui.